En Syrie, les bombardements ont repris ce matin sur la ville d'Alep, en particulier sur le quartier de Salaheddin où sont retranchés plusieurs milliers de rebelles. Des rebelles qui jouent au chat et à la souris avec les avions militaires et leurs roquettes meurtrières. Fort heureusement pour ces hommes, celle-ci n'a pas explosé. Après 15 jours d'intenses combats, la situation dans cette cité stratégique semble figée et beaucoup estiment que la véritable bataille n'a pas encore commencé. À Damas, en revanche, le régime affirme avoir repris entièrement le contrôle de la ville, les militaires ayant réussi à chasser les derniers insurgés du quartier de Tadamoun. Sur ces images filmées par l'armée, on peut voir des corps gisant à même le sol, des hommes arrêtés et des bâtiments en flammes. Par ailleurs, les insurgés ont diffusé cette vidéo qui semble montrer les 48 pèlerins iraniens enlevés samedi alors qu'ils se rendaient en bus à l'aéroport. Les rebelles auraient identifié parmi eux des membres de la garde rapprochée du régime iranien qui soutient Bachar el-Assad.